Quand j'étais toute petite, je passais mon temps à rêver d'un prince charmant. Ce monsieur habillé tout en blanc, sur son cheval blanc, venir me chercher. Quand j'ai commencé à voir mes seins, c'est là que j'ai compris que tout cela ne se passait que dans les films Disney. Tout cela ne se passait que dans les bandes dessinées. Et quand les hommes ont commencé à me draguer, me siffler ici au quartier, j'imaginais ce genre de demande en mariage. Je me disais qu'un monsieur si gentil comme ça allait venir me faire ce genre de demande en mariage. Et j'ai commencé à imaginer ma soirée de mariage, ça ressemblait à ça. Et les filles, quel bonheur! Qui de nous ne rêve pas à ça? Qui de nous ne rêve pas à ce genre de bonheur? Jusqu'au jour où j'ai atteint l'âge de me marier, où mes seins ont grandi jusqu'à tomber comme ça. Voilà ce que le père d'Ibrahim m'a offert comme mariage. Je vais vous remettre cette alliance. Vous allez lui donner en lui disant quelques paroles mielleuses. Je vous remercie. Les trois petits noms d'amour. À ma cœur de ma vie, à l'humeur de ma rente, sans toi, je ne peux même pas vivre. C'est pourquoi je vais te mettre ailleurs. Sans toi, je ne peux même pas vivre. Les filles, vous pouvez constater combien je suis malheureuse dans cette vidéo. Moi, à vous, j'ai le CEP. J'ai fréquenté jusqu'au CEP. Voilà ce que j'ai eu comme mariage. Comprenez le français. Ouvrez vos oreilles, comprenez. Mais il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Je vais seulement supporter pour mes parents. Je vais supporter pour mes parents. Et oui, je vais supporter.